Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner une petite vidéo haul. Mais en fait, j'ai reçu ma commande ce matin. Je ne savais pas si j'allais vous le tourner ou pas, puisqu'en fait, c'est une commande sur le site yankeedirect.com. Donc, c'est une commande de bougies Yankee Candle. Et quand je l'ai reçue, je ne savais pas si j'allais vous la tourner ou pas. Tout simplement parce que je sais qu'en plus de... Enfin, tout d'abord, sur YouTube, ça, je sais que certaines sont un petit peu agacées de voir des hauls bougies, etc. C'est vrai, quand ça n'intéresse pas, je peux comprendre que ça dérange. Moi, personnellement, j'adore. Et puis, deuxièmement, je suis pas forcément fortiche pour décrire les odeurs. Donc, je m'étais dit, je savais pas trop quoi faire. Je ne vais pas commencer à toucher mes cheveux, sinon ça ne va pas aller du tout. Je ne savais pas trop quoi faire et puis lorsque j'ai reçu ma commande, puisqu'il faut savoir, donc sur le site Yankee Direct, j'ai commandé le 3 mai, disons, le 2 mai au soir, mais il était très tard, donc le 3 mai. Entre-temps, il y a eu le pont du 1er mai, le pont du 8 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 14, il me semble. Ma commande aurait pu arriver le 12, mais je n'étais pas chez moi, je travaillais. Donc comme c'est livré par DHL, eh bien, il m'a relivré aujourd'hui. Je suis en repos. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour vous parler tout d'abord du délai de livraison. Et voilà, je vais faire de mon mieux pour vous décrire les odeurs. Surtout que j'ai depuis ce matin une tartelette qui brûle. Pour celles qui la connaissent, alors je vous montre mon brûle-parfum absolument immonde, mais j'ai cassé l'autre. Donc voilà. Là, à l'intérieur, bon, je peux pas vous le montrer parce que c'est complètement liquide. Mais j'ai Honey and Spice qui brûle depuis ce matin. Alors pour celles qui connaissent l'odeur, je vais vous montrer puisque je l'ai en votive. Ça, c'était une des premières commandes que j'avais fait. Voilà, en votive, c'est une couleur comme ça. Donc Honey and Spice, c'est miel et épices. Et pour celles qui connaissent l'odeur, c'est une odeur assez forte. Ça sent vraiment, vraiment tout d'abord les épices et une douce odeur de miel. Donc voilà, ça brûle depuis ce matin. Donc je suis pas sûre que ça ne fausse pas un peu ce que je vais sentir. Dans mes nouvelles tartelettes et votives et jarres. Donc, bon, bref, hein, de toute façon, je vais essayer de faire ça au mieux. Alors, je vais commencer par les jarres, comme ça on sera débarrassé. Moi, je ne prends que des petites, tout simplement parce que je fais brûler mes bougies ou mes tartelettes, etc., le plus souvent que dans ma chambre. Puisque, comme vous savez, je suis en colocation, qu'on a une très grande pièce à vivre. Et généralement, pour les pièces grandes comme ça, j'achète des bougies en très gros format. Mais généralement, je les prends chez Candlelight, parce que ce sont des gros formats, beaucoup moins chers, et qu'elles sentent... c'est une odeur plus douce, c'est différent. Enfin bon, et donc je préfère aller chez prendre sur le site de Candlelight. Donc Candlelight, c'est la marque qui est vendue chez Babou, pour celles qui ne savent pas. Bref. Donc là, j'ai tout d'abord pris, j'ai pris 4 petites jarres en fait. Et alors, je voudrais vous parler du prix. Si je le trouve. Combien j'ai payé ça? Pourtant, elle était notée. Je m'en rappelle plus. Ah, ben non. Ben j'ai... Ah si, 7,99 €. Donc les petites jarres, elles sont comme ça. Celle-ci, c'est la Black Coconuts. Donc c'est la noix de coco, enfin oui, noix de coco noire. Donc voilà, les petites, c'est des 104 grammes. Donc je ne sais plus combien... Est-ce qu'ils le mettent derrière le temps de combustion? Moi, les petites comme ça... J'ai fini il y a peu de temps ma vanilla cupcake et je pense que j'ai dû la laisser allumer genre tous les soirs pendant plus d'un mois. Tous les soirs je l'allumais, je sais pas moi, 2, 3 heures. Donc franchement, moi une petite ça me suffit, ça me permet de changer plus souvent. Je déteste commencer des bougies, les laisser de côté et ne pas les terminer. Donc les petites jarres me suffisent. Et donc voilà, Black Coconuts. C'est, alors je vais essayer de vous le décrire. Ça sent vraiment la noix de coco, mais c'est une noix de coco. C'est une noix de coco vraiment sucrée, quoi.
Je pense que c'est une odeur qui va vraiment beaucoup se diffuser, comme les odeurs qui sont très ou vanillées ou très sucrées, fraises. Vous savez, les odeurs sucrées, ça se diffuse vraiment. Ma vanilla cupcake avait embaumé la pièce à chaque fois que je l'allume en l'espace d'un quart d'heure. À mon avis, celle-ci va être du même acabit. Donc j'ai payé ça 7,99€. Enfin, elles sont à 7,99€ sur le site. Et ensuite, pour celles qui ne le savent pas, ma bougie préférée. Donc je l'ai là, je vous la montre, chez Yankee Candle, c'est la Black Cherry. Donc là, c'est une des anciennes commandes que j'avais faites. Hein. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, elle est toute neuve. Mais voilà, c'est donc, je vous l'ai montré déjà dans mes favoris, c'est donc cerise noire. Et en fait, je voulais la reprendre tout simplement. Donc je voulais la reprendre en petite jarre, comme ça je vais pouvoir allumer celle-ci et être tranquille, parce que je sais que j'en ai une d'avance. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un kit de trois petites jarres comme ça. Donc vous avez celle que je viens de vous présenter qui est la Black Cherry. Ici vous avez la Vanilla Lime. Donc Vanilla Lime c'est vanille et citron vert. Et ici vous avez la Sicilian Lemon. Donc en fait j'ai payé ça 17,50€. Il y en a trois. Donc si vous faites le calcul, celle-ci, enfin comme je vous ai montré, à l'unité à la base sont à 8€. Donc ça ferait 24€ les trois. Et là je l'ai payé 17,50€. Donc j'étais très contente. Donc celle-ci, hein, je ne vous la remontre pas. C'est la même que sa jumelle. Elle sent très très bon, sincèrement. C'est ma bougie préférée. Et pour l'odeur, celle que ça intéresse, ça sent la choupa choups à la cerise qu'on mangeait quand on était petit. Je ne sais pas si ce parfum existe encore chez choupa choups. Mais voilà, ça sent ça. Donc moi, c'est une odeur que j'adore. C'est très sucré aussi, hein. Après, faut aimer. Je vais vous décrire les odeurs au mieux en essayant d'être le plus objectif possible parce que c'est des odeurs forcément qui vont me plaire et ou ne pas me plaire, mais bon, elles pourraient plaire à certaines. Donc je vais essayer de bien vous les décrire. Ensuite, il y a Sicilian Lemon. Donc celle-ci, je l'ai eue en tartelette. Elle est là. Hop. Vous voyez, je l'ai pas terminée. Moi, les tartelettes, je les coupe en deux généralement ou en quatre, ça dépend. Et bon, je le sens là parce que je le sentirais peut-être un peu mieux. Et Sicilian Lemon, ça sent vraiment le citron frais. Voilà, si vous coupez un citron en deux, que moi j'adore le citron, mais j'aime surtout l'acidité du citron. Du coup, là, dans cette bougie, je le retrouve vraiment, il y a vraiment l'acidité. Elle est très très agréable. Et pour l'été, là, qui va arriver, elle sera vraiment très 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 fraîche. Je pense que je vais attendre cet été pour la faire brûler celle-ci. Et donc en dernier lieu, vous avez la Vanilla Lime. J'ai la Vanilla Lime qui est vanille et citron vert comme je vous l'ai dit. Et à la différence donc de l'autre, je suis très bien coiffée, c'est formidable. Alors je sais à quoi je vais la comparer et j'espère que vous aurez eu l'occasion de sentir. Chez Sephora, il y avait ceci. Pendant un temps, qui était la collection Citron Meringué de chez Sephora. Ils l'ont arrêté depuis, ça n'existe plus. Et c'était vraiment une de mes odeurs préférées. J'adore cette odeur, vraiment. C'est un citron très sucré et donc j'aime énormément aussi. Et ça sent tout à fait ça. Ouais, ça sent pareil que la collection Citron Meringué de chez Sephora. Peut-être un petit peu moins sucré. Mais c'est tout à fait ça et sincèrement je pense que celle-ci ça va devenir une de mes préférées aussi. Je viendrai certainement à la prendre en moyenne jarre ou comme la cherry, la Black Cherry. La prochaine fois ça sera en moyenne jarre je pense. Voilà, ensuite on va passer aux tartelettes puisqu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 20 senteurs différentes. J'ai craqué mon slip, mais je m'en sers quotidiennement, moi. Dès que je suis chez moi, il y a quelque chose qui brûle, que ce soit une bougie ou une tartelette, c'est sûr. Donc, tout d'abord, la Baby Powder. Donc, c'est tacle pour peau de bébé. Donc, elle se présente comme ça. Et si je dois vous la décrire, ça sent vraiment les produits pour bébé, vous savez. Ça a une odeur assez neutre, assez douce. Ouais, ça sent. Je sais pas si on pourrait dire le talc, mais ça sent le. Je sais pas, le produit pour bébé. Donc c'est une odeur que je vais apprécier, j'en suis certaine.
Ensuite, je ne vais pas vous le réexpliquer, hein, mais voilà, c'est la black cherry. Donc, je m'en sers aussi en tartelette. Là, j'en ai repris 3. Donc, je ne vous redécris pas l'odeur. Ça n'a pas changé. Ensuite, la coconut, la black coconut, je l'ai pris en tartelette aussi. Donc, j'en ai pris qu'une. Vous voyez, c'est difficile parce que dans la jarre, on sent vraiment la noix de coco, etc. Et là, à travers le papier, pas vraiment. Donc je suis certaine qu'il y a des odeurs que je vais vous décrire. Ce que je sens ne sera pas vraiment juste. Bon, là, celle-ci, à travers, je sens rien. Ou très peu. Ensuite, j'ai pris la Christmas Cookie. Donc celle-ci, je pense que vous la connaissez quasiment toutes. Là, ça sent le gâteau très sucré, quoi. Le cookie un peu. Ouais, gâteau très sucré, voilà. Elles sentent très très bon. Moi, j'adore les odeurs sucrées. J'aime certaines odeurs de fruits, mais pas toutes. Et voilà, en règle générale, j'aime beaucoup tout ce qui est coco, vanille, les odeurs comme ça. La Clean Coton. Alors, toutes les premières tartelettes que je vous ai fait voir, je les ai payées 1,20€. Celle-ci était à 94 centimes, puisque sur certaines tartelettes, il y avait des promos. Donc, ça sent le propre. Je pensais jamais dire ça. Je me suis toujours moquée des filles qui disaient que ça sent que quelque chose sentait le propre. Parce que pour moi, le propre n'a pas d'odeur. Mais si, voilà, le propre, ça sent, disons, la lessive ou voilà, une odeur neutre. Ou voilà. Et donc là, ça sent. C'est ça sent la lessive. Ça sent ça, ça sent la lessive. Je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, la Clean Coton. Ensuite, on a la Fluffy Towels, qui est donc la serviette moelleuse. Voilà. Ça, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Je pensais pas aimer ce genre d'odeur. C'est pour ça que toutes celles-ci, la talc pour bébé, la coton, clean coton, etc., je les ai pris à l'unité en n'étant pas sûre d'aimer. Et franchement, sincèrement, j'adore. Donc, celle-ci, serviette moelleuse, j'aime beaucoup. Et ça sent vraiment. Je sais pas si chez vous ça vous le fait, mais moi mes serviettes elles sont rangées dans un placard. Ce qui fait que quand je range les propres, ma lessive est assez forte. Donc ça embaume vraiment quand j'ouvre ma porte de placard où il y a mes serviettes, ça sent. Et ben là ça sent pareil. Ça sent le linge. Voilà. Ensuite on a la Sugar Apple. Donc c'est la pomme givrée. J'en ai pris 2 comme ça. Là, à travers, ça sent la pomme. Oui, déjà, c'est pas mal. Il y a, c'est à base de. Enfin, c'est à la pomme, donc ça serait bien que ça sente la pomme. Ça sent la pomme un peu très sucrée et très épicée. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 et celle-ci était à 1,20€ aussi. Ensuite, j'ai voulu essayer la chamomile tea. Donc moi, j'adore le thé. D'ailleurs, j'en ai découvert un il y a peu de temps, mais il va falloir que je vous parle, qui est très très bon. Donc là, c'est thé à la chamomille. Et j'adore. J'adore cette odeur. Ça sent la chamomille, vraiment. Ça sent le. Ça sent. Ça, c'est pas sucré, c'est pas une odeur de fruits, etc. C'est une odeur neutre. Mais ça sent pas l'herbe, mais la chamomille, quoi. Je sais pas comment. Pour celles qui ne connaissent pas ou qui veulent savoir comment ça sent, prenez un sachet de thé chez vous, sentez-le, un thé, je sais pas moi, ou un thé vert, ou voilà, et ça sent ça. Je trouve que thé vert, camomille, enfin les thés nature, ça a la même odeur pour moi. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, Vanilla Lime, donc ça c'est la même que la jarre que je vous ai montrée. Ça sent très très bon, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, on a. Alors, si jamais une odeur ne me plaît pas, je ne vais pas vous dire que ça me plaît. Hein. Je vous dirai que j'aime pas, mais après, ça sera mon avis, bien sûr. Donc, c'est la Waikiki Melon que j'ai pris en double exemplaire. Qui sent le melon, vraiment. Voilà. Ça sent vraiment le melon. Mettez la tête dans un melon, et voilà quoi. Ça sent vraiment le melon. Donc, je l'ai pris en 2 exemplaires. Elles m'ont coûté 1,20€ chacune. Ensuite, j'ai pris la Fireside Free, je sais pas comment on dit. Donc, c'est marshmallow grillé. J'en ai pris 2. Et alors ça,
À décrire. Je sais pas. Ça sent pas le chamallow déjà. Je sais pas, faudrait que je les ouvre. Là, fermé pour celle-ci, je dirais que j'ai pas un grand coup de cœur, quoi. Je m'attendais à quelque chose de très sucré et tout, et ça a pas l'air de sentir. En tout cas, à travers. Donc, je sais pas. Ça sent bon, hein, ça pue pas, mais ça sent pas le chamallow. Ensuite, une que je me rappelais pas du tout avoir pris, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, et je l'ai sentie, et sincèrement, j'adore l'odeur. Je comprends pas trop un peu enfin, vraiment le nom de la bougie, mais vous allez comprendre. C'est la Honey Blossom, donc fleur de miel. Fleur de miel. Je suppose que c'est les fleurs qui ont servi à faire le miel, ou enfin, je sais pas. Bref, et donc elle est violette, elle se présente comme ça, vous voyez, il y a les petites fleurs dessus. Et alors celle-là, j'adore, sincèrement j'adore. Je serais incapable de vous décrire l'odeur de celle-ci par contre, mais vraiment incapable. Ça sent tout et rien en même temps. Mais j'adore celle-ci, je la reprendrai, c'est certain. Rien qu'à la sentir comme ça, je pense que c'est la prochaine qui va brûler. J'adore. Ensuite, j'ai pris la Pineapple Cilantro. Donc, c'est la ananas et coriandre. Et celle-ci, c'est pareil. J'en ai pas beaucoup entendu parler sur YouTube. J'ai voulu essayer parce que moi, j'adore l'ananas. Et mon Dieu, c'est une tuerie. Ça sent vraiment l'ananas très sucré. Et une odeur par-dessus qui doit être la coriandre, hein, forcément, mais. Bah, ça sent vraiment l'ananas très sucré, j'adore. Vraiment, c'est deux. Et donc j'en ai pris deux et j'ai bien fait. J'en reprendrai aussi. Ensuite, on a la Mango Peach Salsa. Donc c'est mangue et pêche. Celle-ci, je l'ai prise en deux exemplaires. Je l'adore. Ah, oh, j'adore, ça sent. On sent bien la mangue et la pêche. Les deux mélangés, c'est une tuerie. Franchement, ça sent trop bon. Je suis désolée, je passe deux jours à sentir, mais. Donc, celle-ci, elle m'a coûté 1,20€ aussi. Ça sent vraiment la mangue et la pêche mélangées. Je peux pas vous dire mieux. Ensuite, on a la Red Apple Free. Ben, voilà, comme ça. Voilà. Donc, je pense que celle-ci faisait partie de la collection de Noël de l'année dernière, certainement. Donc, c'est couronne de pommes rouges. Ça sent la cannelle. Ça sent très fort la cannelle pour celles qui sont pas qui aiment pas les odeurs entêtantes et qui n'aiment pas la cannelle, je vous la déconseille. Moi sincèrement, c'est pas une odeur qui me dérange, j'aime beaucoup l'odeur de la cannelle. Donc voilà. Ouais, ça sent très fort la cannelle, mais ça sent très bon. Ensuite, la Sandalwood Vanilla, donc c'est vanilla santal. Voilà, elle sent très très bon aussi. Il y a certaines que j'ai pris un peu au pif, hein, je voulais sentir par moi-même parce que c'est sûr que de regarder des vidéos, je peux très bien vous décrire une odeur que vous n'allez pas sentir pareil du tout. Ça dépend vraiment des nez, quoi, c'est complètement différent. Et ça sent la vanille, vraiment la vanille avec une épice, quoi. Donc là, c'est le santal, mais une vanille, je sais pas. Ça me fait penser à une vanille un peu patchouli, vous voyez, ça ressemble. Donc moi j'aime beaucoup. La sauce blanquette, hein, forcément, il fallait que je l'essaye. Donc c'est la couverture douce. Je sens pas très bien à travers là, celle-ci. Je sens même rien à travers, donc je peux pas vous dire. Je vous dirai ça par la suite sur Facebook ou quoi. D'ailleurs, j'en profite, celles qui ne m'ont pas encore sur Facebook, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram de la même manière. Twitter aussi si vous voulez, mais j'y suis peu. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Oui, je sens un peu quand même. Ça sent bon, mais bon, je vous dirai ça par la suite. Et il en reste deux, c'est donc la Sparkling Lemon. Donc c'est un citron pétillant. Ouais.
Je suis moins fan des autres de celle-ci que des deux autres sortes de vanille que j'ai pris là, la vanille à lime et la vanille sicilienne là, sicilienne lemon. Je suis moins fan parce que ça sent le peck vaisselle au citron ou la bombe à chiottes comme vous voulez. Ouais, je suis moins fan de celle-ci. Et ensuite, une de mes chouchous internationales depuis toujours aussi, que j'ai commencé à faire des commandes de Yankee Candle, donc ça doit faire un an maintenant, je pense. C'est celle-ci, c'est la Strawberry Shortcake. Elle sent trop, trop bon, et donc c'est crème à la fraise. Et je l'adore. C'est une fraise très douce, mais très sucrée. Et on sent vraiment comme une odeur de crème. Vraiment. Enfin, voilà, vous allez dire une odeur de crème. La crème, ça sent rien. Si, ça sent. Et ça sent vraiment une odeur de crème. Donc, pareil, j'en ai pris trois, puisque c'est une de mes odeurs favorites. Et que moi, je l'ai fait brûler par quart ou par moitié. Donc, trois, ça me fait un moment, quoi. Surtout avec toutes les autres. Donc, voilà, je l'adore. Et celle-ci m'a aussi coûté 1,20€. La soft blanquette m'a coûté 94 centimes. Celle-ci. Celle-ci m'a coûté 94 centimes. Et donc, vu le prix de ma commande, puisque de tout ça, j'ai eu... Alors par contre, les frais de port sur ce site ne sont pas donnés. J'étais un petit peu dégoûtée. D'habitude, moi, je commande sur Bougie Parfum. Mais là, sur Bougie Parfum, déjà d'une, en premier lieu, il y a très peu de parfums. Très peu de senteurs. Enfin, moins du moins que sur Yankee Direct. Et là, quand j'ai voulu commander, il y a beaucoup de choses qui étaient indisponibles. Et c'était indisponible depuis très longtemps. Donc je me suis dit, voilà, là je pouvais plus attendre, il me restait plus grand-chose, il devait rester 2-3 tartelettes, ma jarre et 2-3 votifs, donc j'ai dit, bon, faut que je commande. Bref, et donc là les frais de port étaient de 10 livres, donc ça fait 12-13 euros, c'est quand même assez cher. Donc j'en ai quand même eu pour le tout 63,51 €. J'ai eu 4,80 € de réduction en cumulant un petit peu tout. Donc voilà, 63,51 €, c'est quand même un coût. Je sais que là, je vais pas recommander pendant bien 3 mois, voire 4 mois facile, hein, avec tout ce que j'ai, voilà. Et donc, comme ma commande avait un certain coût, ils m'ont offert deux votives. J'avais le choix entre deux duos, mais dans l'autre duo, il y avait deux votives dont j'avais pris les tartelettes, donc je voulais sentir d'autres choses. Et là, on a orchidée rose. Voilà, qui sent... Je ne sens pas trop à travers. Hein. Ça m'a l'air de sentir la fleur. Ça sent bon quand même. Alors que moi, je ne suis pas du tout odeur fleurie. Hein. Et là, on a pois de senteur du jardin. Celle-ci, j'aime pas trop. Enfin, si, mais enfin... Bof, quoi. Pas dire que ça pue, mais c'est pas une de mes odeurs préférées. Donc voilà les filles, je pense que je vous ai tout montré. Enfin, je pense, je suis sûre, je vous ai tout montré. N'hésitez pas si vous avez des odeurs chouchou chez Yankee Candle, je serais ravie que vous me mettiez vos odeurs préférées. Tiens, tenez. Chaque personne qui regardera cette vidéo, que ce soit une bougie Yankee Candle ou une autre, si vous avez une bougie chouchou, mettez-le moi en commentaire. Parce que moi, les bougies, j'adore ça. Il y en a tout le temps une qui brûle chez moi. Et voilà, si je peux faire des découvertes, que ce soit chez Yankee Candle ou ailleurs, je suis preneuse. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et que j'aurais pas été trop indécise en vous communiquant, en vous expliquant les odeurs. Je vais y arriver. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.